J'ai essayé de chercher un dispositif amovible et autonome en énergie. Sinon, c'était la location d'un compresseur pour l'utilisation, ce qui ne permettait pas une utilisation rapide de par l'exploitant sur une intervention non programmée. La collaboration avec MODEC, j'ai trouvé que c'était un partenariat et j'ai été écouté au travers de la pièce de reprise de coupe que vous avez développée spécialement pour pouvoir mettre cet actionneur sur ce robinet. Parce que cette pièce de reprise de coupe permet justement de ne pas avoir de contraintes dans les bras de l'opérateur lors de l'utilisation de cet actionneur en ouverture ou en fermeture. Donc effectivement, nous, notre savoir-faire, on l'a surtout sur la motorisation pneumatique. On est surtout, avant tout, des mécaniciens. Donc là, on a un ensemblage d'embrayages et de réducteurs train planétaires qui nous permet, au bout de l'actionneur, d'avoir un couple suffisant. Et on a rajouté sur notre actionneur une bride qui nous permet de nous fixer sans que l'opérateur ait à soutenir l'appareil pendant la manœuvre. C'est une bonne innovation parce qu'en plus ça permet de manœuvrer rapidement. On a chronométré ça en une minute quasiment pour ouvrir une vanne que d'habitude on ouvre à 25 minutes manuellement. Donc là c'est plutôt une bonne proposition avec un système portatif électrique. C'est ce qu'on voulait pour pouvoir pallier à ce problème de difficulté de manœuvre. Je trouve ça concluant, intéressant, du fait que le montage est simple, sécurisé. Il y a moins de risques au niveau accident. Hein. Là, tel qu'il est conçu avec le bridage sur le réducteur, on sent vraiment que c'est une pièce qui est résistante et qui va bien maintenir le couple de démarrage ou de fermeture.